Et plop les gens. Ici Zikino et on va reprendre notre partie de CR Billions. On en est apparemment pile poil à la moitié. Je viens de voir ça. Sachant qu'on a fait bah, déjà tout ça. La dernière fois, on a réussi à faire le nid de la harpie. On les a virés de leur nid. Et là, on allait s'attaquer à la vallée de la mort. Alors même si je l'ai lu la dernière fois, je crois, à l'oral, on va le refaire. La vallée de la mort est incontestablement un endroit inhospitalier et inadapté pour l'établissement d'une colonie. Mais sa position stratégique est d'une importance vitale pour l'Empire. Se trouvant sur le bord du Grand Désert, aucune horde d'infectés ne peut l'atteindre. Cependant, une grande population d'infectés est présente dans la région à cause de deux villages humains infectés il y a longtemps. La région est si stérile que vous devrez tirer le maximum du moindre espace cultivable pour maintenir une colonie autonome avec une population acceptable. Donc à côté d'un grand désert, ce qui fait horizon lointain. On voit plus loin et infectés très actifs, ils entendent mieux, on va dire. Peut-être qu'ils voient mieux, mais ils entendent mieux. Donc dès qu'on va mettre quelques maisons, quelques usines ou quoi, ça va les attirer. Dès qu'il y a un tir, ça va en attirer plus. Et il va falloir gérer ça. Les conditions de victoire, détruisez tous les infectés. Population de la colonie 1500. Détruisez tous les villages maudits. Moi, ça va un peu ensemble, mais ok. Condition de défaite, temps pour terminer la mission, 67 jours. La base centrale ne peut pas être détruite ou infectée. Ça me fait bizarre, ces histoires de destruction. Hein. Est-ce que c'est à cause des géants que les trucs peuvent être détruits? Est-ce qu'on arrive toujours à avoir les bâtiments qui sont infectés avant d'être détruits? Enfin bref. Ah ouais. Si vous n'avez pas assez d'heures pour payer vos soldats, ils déserteront la colonie. Je ne savais pas, j'ai pas remarqué, mais. Il me semblait qu'on les payait juste à la création. C'est peut-être les trucs avec les ressources en pétrole et tout. Alors, ici, on a un. Il est condamné. Alors, un truc qu'on aimerait faire, c'est mettre. Les bâtiments ici, vu qu'apparemment on est au bord de carte, que tout ça on sait que c'est protégé. Mais le gros problème, c'est que c'est une zone. On sait qu'on est au bord du désert. Et donc, va peut-être mieux falloir mettre des fermes ici dès qu'on les aura débloquées. Ces infos de mission, ok. Ok. Lui, il fait juste un petit tour. D'accord. Donc, on va en emmener deux là. Les deux autres, on va les emmener là. Et lui, il va juste se mettre ici. J'étais en train d'oublier mon petit truc et j'aimerais bien un peu plus de son quand même. On verra si c'est trop. Voilà, petit truc pour voir les vies des unités en permanence. Et le truc, c'est que on aimerait bien ouais des maisons là quoi. Voir ici. On va se mettre là. Moment, faut surtout qu'ils défendent
les habitations. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir évidemment avoir plein de travailleurs. On va vouloir avoir les ateliers assez tôt. Ouais. Si j'étais en train d'oublier un peu la base, il nous faut du bois. Or, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu un 14 donc ici. Mais c'est soit le 14, soit le 13. Et un autre 14 ici, donc là on peut avoir les deux. Ça c'est un 8, un 12. Est-ce que si je prends 12 ici, je peux avoir le 13 ici. Je peux par contre avoir un 8 par là quoi. Alors que si je prends le 14 ici, ça fait 14, 14 et je peux quand même avoir un peu plus loin. Et si je prends lui, je peux pas prendre plus loin. Ouais, bah, vaut mieux partir sur le 14, je pense. Alors 20, on avait 22, mais... on va pas s'en plaindre. C'est que là, c'est plus dans la zone, d'accord. Alors, est-ce qu'on se met là pour vraiment prendre toute cette zone ici? Ou est-ce que plutôt on vise l'expansion de la ville? Parce que de toute façon, on a... on a le début, l'essentiel. Et que le train va nous ramener ce qu'il faut. Ouais, vaut mieux viser par là, je pense. Donc, soit ici, soit là. Seulement les deux. Bon, on s'en sort. On attire quand même beaucoup de monde, mais ça devrait aller. Là, on va devoir attendre le train. Ici, est-ce qu'on met là? Ce qui est pas mal. Ou ici, ce qui... on va dire c'est plus défensif. Est-ce qu'on peut se mettre là? Mettre là quand même parce qu'il va falloir venir ici, on verra, va falloir y aller petit à petit. Fait
quand même des sortes de petites enclaves, on est vraiment bien pas cerné justement, mais on a l'air d'être dans notre petite bulle. On pourrait mettre ça là, mais c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Toi, tu vas venir de ce côté. Est-ce que tu peux passer? Ouais, tu peux passer par là. Let's go. Est-ce que... Ça, c'est loin là-haut, mais on s'en fiche parce que le train va nous en donner petit à petit. Là, on avait vu le 14 qu'on voulait viser. Ah bah là, ce sera que 5. Bien. 21, 21, 21. On a un 20, donc. Je passe en priorité. On n'a plus assez de ressources, très bien. De nourriture, c'est bon ça. De voir qu'on va avoir, qu'on va en avoir. Il va nous manquer de l'or. Très bien, on va juste attendre. Est-ce qu'on attend juste ou est-ce qu'on fait des maisons? On va pas pouvoir faire de maison tant qu'il n'y a pas ça, mais maintenant qu'il y en a. Voilà. On va partir là-dessus. C'est parfait pour les maisons. Sorry, sir. I was cleaning my weapon. Building completed. Come on. Je vais commencer là et tu vas finir là-bas. Il va nous manquer de la nourriture, d'accord. Marrant qu'il nous manque pas de l'énergie en priorité. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre là, c'est pas mal. On se met là, ça nous... Je préfère ici. Quitte à en avoir un deuxième là. Et on en mettra un par là-bas, et ça ira bien. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait du fer. Enfin, j'avais vu la ressource au sol, mais j'avais pas vu les... La ressource à miner, j'avais vu, mais j'avais pas vu les... Les plaques au sol, ouais. Les... ressources posées au sol. Donc on a... Encore de la pierre, mais on est en train d'arriver. 5, c'est pas mal. 6, c'est évidemment encore mieux, mais ça bloque tout le truc, donc... On va vouloir d'abord en mettre un là. Pour voir combien on peut avoir maximum, quoi.
Voilà. Est-ce qu'on veut extraire le maximum, évidemment, de ressources? J'aurais mis là, mais... Ici, ça nous permettra peut-être d'en avoir un ici. Ou... Essayer d'optimiser pour avoir le maximum de... Alors, ici, donc celui-ci, on peut mettre 3. Ici, 4 et on en a autant. Et après, on peut pas. Donc, 4 et le prochain serait ici à 4 ou 6. Donc, 6 et 4, 10. Très bien. Sinon, on a 5 ici. On n'aura pas mieux. Donc je pense qu'on va partir sur ce 6 et on va attendre d'avoir les sous pour le 4 derrière. Voilà, c'était là. Et on n'a pas mis. On n'a pas agrandi la zone par là. On avance petit à petit. Donc ici on a 3. Ici on a 3. Ici on peut avoir 4. Je pense que c'est le mieux qu'on va pouvoir avoir. Parce que ces 4 là ils bloquent tout. Mais celui-ci il est bien et ça permet d'avoir le 3 qu'on veut par là. Mais c'est pas pressé tant qu'on n'a pas de marché. Mais le marché n'est pas pressé tant qu'on n'a pas 200 de population. Et 200 de population, soit faut les augmenter en chalet. Soit faut avoir des fermes. Je pense qu'on va avoir vite besoin des fermes quand même. Même en augmentant la... Ah non, c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est... Même en faisant des chalets, on va avoir besoin de fermes, donc... Okay, lui, il est très défensif, mais c'est bien. Du coup, on peut se mettre là. Et là. Et... On a quoi comme défense? Si je mets une maison là, ça leur fait faire un petit tour. Mais c'est faisable.
qu'on devrait pouvoir pousser les murs plus tard. On va dire pas besoin de tour en bois pour le moment. Parlons de maison. Voilà, c'est de la nourriture et de l'or. Alors la nourriture, c'est justement pour ça qu'on fait de notre recherche. Are in trouble. What? Great. What's up? Any infected around? Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. On n'a pas de nourriture. Mais c'est parce que je viens de finir. On va partir sur les chalets quand même. Alors 64. Si je me mets là, faut que je me mette comme ça si je veux en mettre deux. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de blinder la place. 36. Par contre, faut pas déconner quand là tu perds et là tu. Okay, donc 46 et. On mettra 54 de l'autre côté. Plus ou moins dès qu'on aura les sous. You are gonna pay me for this, right? Yeah, roger that. Okay, let's do this. Alors est-ce qu'on met des murs partout à ces endroits-là? Genre là, 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 là. Ça peut être une idée quand même. De l'énergie ici quand même malgré tout. Our forces are in danger. Ici on avait 4 et il y avait un 3 quelque part qui allait nous plaire. Voilà. On va pas la mettre pour le moment, celle-là non plus. Voilà, alors le marché ça sera 450. Très bien. Attention, building completed. Attention, building completed. You again.
Attention. Building completed. Elle le voit, attends, spray. Oh punaise. Il faut plus de travailleurs. Just guide me to the infected. Perfect. Tu viens là. Vous savez quoi, on va essayer de protéger ce qui nous reste. Petite partie là, ça devrait aider. Mince. Donc ça c'est une horde faite juste parce que on a fait du bruit. C'est pas une vraie horde. Ne pas soigner tout de suite les choses. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit... Pas vraiment. S'il nous reste des sous, pourquoi pas, mais... Je pense que la priorité, c'est plus d'avoir des gens quand on regarde les chiffres que qu'autre chose. Thank you.
plus, ça va être bon. Ouais, du coup, j'utilise mon. Deuxième, elle va là. Toi, tu vas là. Ça, ça devrait moins attirer, pas forcément zéro. On a dépassé 200 donc. On est en retard sur l'achat du marché. Garder un peu de bois pour faire à la fois la caserne et le et l'entrepôt. Commençons par l'entrepôt. Économie d'abord. Parce que là, les lignes de défense qu'on a sont suffisantes à mon goût. Et du coup, on a envie de décupler l'économie autant que possible. Bon, après, il y a ça aussi. On va se mettre là. On va se mettre là. Et bah du coup maintenant, il va attendre un peu de pierre. Mais on a aussi les sous pour la caserne. Donc on va pas trop se gêner non plus. Cette partie, on va surtout viser à produire des rangers plus que des soldiers, plus que des soldats, parce que le bruit, c'est très gênant. Dans le désert là, ils viennent de super loin, juste avec les bruits de rangers et un peu de la ville. On est passé de 30 à 76. C'est bien. Ça veut dire qu'on a moins besoin de faire des fermes grâce aux marches. De bois, il reste plus que 3. Est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je m'en fous et je fais d'autres maisons? Mais faire d'autres maisons, c'est sûr que ce soit l'idéal. On n'est pas très bien placé d'ailleurs. Le sniper, c'est mort. Les pieux, c'est pas mal. Grande balise, je pense que c'est pas ouf.
va partir sur la pierre pour commencer. Oh. Faut des bois pour du bois pour entraîner les Rangers, mais pas les soldats. Commencer par quelques rangers de plus. Une petite troupette d'intervention au cas où. Et on a tout amélioré niveau maison. Lui, il va faire ses recherches. Et on n'a plus d'énergie. Très bien. Le truc c'est que je veux le minimum possible entacher les cette zone là. On va y mettre un entrepôt parce que c'est très fort l'entrepôt. Dans une zone comme ça, ça va décupler les ressources, mais c'est à peu près tout. Bien être là, mais on va la jouer plus safe ici. Moment. Attention, technology research finished. Attention, building completed. Oh. On n'a pas de bois, mais c'est la seule chose qui nous embête pour l'entrepôt. Alors on va attendre un peu. On a les sous pour l'entrepôt. Là, évidemment. Ah oui. Plus dézoomer, c'est mieux. Gauche droite, je sais pas trop. Mais je pense plutôt par ici. Allez, c'est parti. Roger that. What? My bow and arrows okay. Are ready. Yes. Gotcha. You are gonna pay me for this, right? Units under attack. On amasse de thunes. On amasse de tout. Ça rentre ici. Pour y faire rentrer une maison. Oh. You again. Are you sure? Gotcha. You call that a plan? My bow and arrows are ready. Our soldiers are in trouble. This better be good. Yeah. What? Are you sure? Yeah. Roger that. Okay, but it's gonna cost you double.
Attention. Building completed. Attention. Building completed. Mais... On est à la moitié niveau argent. Les pieux. En fait, vu le bruit que la balise va générer et qu'ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de horde, je pense que les pieux seront plus utiles sur cette carte. Si je les crois qu'il n'y aura pas de horde. C'est quand même un gros si, mais. Y a pas de raison. Y a pas le chrono de la horde. Parfait. On a toutes les ressources qu'on veut. Ça on verra plus tard, ça c'est pas fait, ça c'est pour la petite sauvegarde. Ici on a vu qu'on pouvait caler une maison là. Ça nous bloque un peu le gauche-droite, mais il peut passer par au-dessus. Parce qu'ici on la met pas tout de suite en tout cas. C'est carrément le... Oula. Non, pas lui. Hors de question qu'on bloque... Quoique, en vrai... jamais besoin de revenir en arrière. Par contre, ça fait que ceux qui sortent de la caserne sont obligés de faire tout le tour. Pas censé être si en dèche que ça de renfort. Hein. Non, c'est que c'est trop tard. Voyons par où elle passe. Passe par là. Et ici, il y a tout. Il y a un passage par ici. Normalement, il y a un passage de l'autre côté du. Du marché aussi. Ouh, j'avais pas fait gaffe, mais ici. Ici, il y a une zone de récolte, tout simplement. Elles s'en sortent, elles ont l'air suffisamment nombreuses. Okay.
My bow and arrows are ready. Attention. Building completed. Après, là-haut, c'est peut-être trop risqué vu que c'est censé être un village. C'est pour ça qu'on continue de produire. De... Ah, presque. On a 6 sous. Parce que là, c'était pas idéal. Mais tant qu'à faire, autant prendre un max. Ah là, j'aurais dû... Voilà, encore un truc où j'aurais dû décaler lui d'un cran sur la gauche. Our forces are in danger. Par là. Un peu pif. Building completed. What? Attention. Je vais mettre un mur là où il y a la... Elle qui fait sa ronde. Ah, et puis ça donne envie de prendre tout ça encore. Yes. Avec le trou ici. Roger that. Are you sure? Okay. My drone arrows are ready. On a un peu, mais pas trop d'énergie. On va attendre. You are gonna pay me for this, right? Yes. Roger that. Vous mettez là. Attention. Okay. Building complete. Yeah. Ah zut. Our soldiers are in trouble. Our forces are in danger. You again. Yes. Gotcha. Great. You order, you pay. Great. Gotcha. Roger that. Units under okay. attack. Yeah. Gotcha. Okay. Toi tu viens là. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit avoir un peu d'énergie. Si on va mettre on va faire ça pour le moment. Our forces are in danger. Yes. C'est là, parfait. Toi, tu vas là, tu vas là. Here we go again.
other units to bother? What? Great. My bow and arrows are ready. Okay. Units under attack. Are you sure? Gotcha. What do you want now? You again. Toi, tu vas un peu en arrière et toi aussi. The train has arrived at the station. Great. What? Yeah. Bon, j'ai masse de thunes. Non. Ah, j'ai pas cherché pas la banque. Et toi, au cas où. Attention. Building completed. Ah, manque du bois. Attends, j'ai fait des maisons, mon chalet. Forcément. Défense au plus proche. Vous allez venir là tout le moment. C'est pas trop mal. Ou bien même, plutôt très très bien. Des maisons en briques, ça sera bien. Et de guet au cas où. Et du coup, on a la banque. Et ben, cadeau. On a masse de nourriture, donc on s'en fout. Par contre, on n'a pas beaucoup d'énergie. Enfin, on a pas mal d'énergie. Pas autant qu'on pourrait, mais on en a pas mal. Under attack. My bow and arrows are ready. You again. Great. Yeah. Attention. Okay. Building completed. What? You call that a plan? Oh, here we go again. What? Yes. Great. Gotcha. I hope you're not wasting my time. Gotcha. Ouais, on voit les maisons là. Vous avez pas fini. On va laisser ça pour le moment. On ne sait jamais. Oh, here we go again. You
new task. What? Yeah. What do you want now? Our forces are in danger. What do you want now? Great. Aren't there other units to bother? Are you sure? What do you want now? Units under attack. Okay. But it's gonna cost you double. What do you want now? Roger that. Yeah, great. Oh, more ore. The train has arrived at What's the up? Station. Any effective arrows are ready. They are trying to break into the buildings. Où ça? Hey, c'est bon, c'est réglé. C'est un peu compliqué parce que ils ont leur maison qui fait spawn beaucoup de monde et je suppose que par défaut il y avait aussi beaucoup de monde à cet endroit là. On a les maisons en pierre. Alors. D'ailleurs, on n'a pas l'énergie. On a que des moulins pour énergie, d'accord. Ça va être. Short. Ça va être short avec que des moulins, mais on va essayer de s'en sortir. Alors, comment on s'en sort? Bien, c'est correct. On a tout recherché, on peut rechercher mur en pierre. C'est pas urgent, mais on a masse de thunes. Donc on va le faire, le sniper c'est hors de question qu'on le recherche. Déjà la baliste c'était un peu abusé. On n'a plus énormément d'avance niveau. Toi j'ai presque envie de... te reconstruire mais bien placé. Parce que là ça va permettre de placer au moins un ici, donc placer un peu plus de monde quoi. J'ai un doute, mais je pense que là, c'est pas ça. Là, là, on a 56, 62 parce qu'on descend, mais 44, 34,
pense qu'on n'aura pas plus que ça. Là, on va voir. Our soldiers are in trouble. Attention. Building completed. My bow and arrows are ready. Roger that. Okay. Are you sure? En fait, ici, ça fait longtemps que c'est safe. Et on n'a pas expand. Là où on a rendu ça. Safe, normalement. Better be good. Are you sure? The walls are under attack. My bow and arrows are ready. They are trying to break through. Our soldiers are in trouble. What? Yes. Great. You again. They are attacking the colony defenses. Alors quoi? Non, on va un signe de plus. Eh ben, non, c'est pas. Quand même. Non, ça devrait aller. You are gonna pay me for this, right? Great. Yeah. Roger that. Great. Yes. Yes, tell me. But be quick. My bow and arrows are ready. Non, c'est ça que je veux. Là, ici, on va se mettre ça là. Et au sud. Ah, la poisse de cliquer sur un zombie qu'on voit pas quoi. Alors sinon en général ça se passe bien. Oh, il y a un peu de... Le...
right? Okay. What? Yes. Okay. Units under attack. Better be good. What? Are you sure? You are gonna pay me for this, right? Gotcha. Roger that. So tired. Last night was amazing. Okay. Non, foncez. Il y a une qui va mourir, mais c'est tout. Là, là, ça serait bien. Tout ça, c'est safe. Ici, pas mal. N'importe. Là, parce que j'en ai déjà mis un autre en haut. Et ici, pour le moment, on est en train d'étendre. Ça. Ouais. Allez, on court. Soit ça fait énormément de bruit, ce qui est possible, soit c'est une horde. Hein. Je vous le dis comme je le vois. Je devrais le faire. À partir du principe que ça va le faire. Là. D'accord. Dans ce cas-là. Non, pas si loin. Pas si loin. Et... on va mettre ça là quand même, hein. Vu là où on en est.
infected around? Let me put an arrow in his head. And our defenses are being attacked. Sure? You again. My bow. The infection is spreading across the colony. This better be good. The walls are under attack. They are infecting our buildings. You're not paying for this, right? Okay. They are trying to break through. I hope you're not wasting my time. What? You are gonna pay me for this, right? Gotcha. Je vais vous revenir là. They are attacking the colony defenses. You again? Great. Warner, you pay. This better be my bow and arrows are ready. Our defenses are being attacked. Aren't there other units to bother? Gotcha. Whatever attention. You say. Building as long completed. As you pay. The walls are under attack. Allez, on s'en sort. They are trying to break through. Our forces are in danger. A new task. Gotcha. What do you want now? Whatever you say, as long as you pay me. Aren't there other units to bother? Yes, tell me. Units under attack. Be quick. You are gonna pay me for this, right? Gotcha. What? Whatever you say, as long as you pay me. You again. Great. Okay, roger that. Our defenses okay. are being are attacked. Sure? I hope you're not wasting my time. Okay, yeah. Yes. Yeah. Great idea. No, I'm just kidding. Gotcha. The I hope you're are not under wasting attack. My time. So tired. Last night, my arrows are sure. The train has you arrived again. At the station. Yeah, sounds they are trying to break it through. Could be worse. J'ai plus d'énergie, oui, c'est parce que toute mon énergie était ici. They are attacking the colony defenses. This better be good. What? You call that a plan? Our defenses are being attacked. You again? Yes. Yeah, roger that. The walls are under attack. Tac, et ici on a famille. On va profiter pour mettre au moins une double rangée de pieux aussi. On va mettre des murs. Par ici, on aperçoit même la... Alors, on va avoir juste 4. Oui, si on refaire le la défense là-haut. Et vous tous. Voilà, alors on va faire des maisons, plus d'énergie, malgré tout. En même temps la baliste ici, on va dire que ça aide pas à faire de l'énergie. Là.
long as you pay me. Attention. Building completed. What? Yeah. Plus d'énergie, mais on a du bois. Ici. Énergie là. Un truc ici. You are gonna pay me for this, right? Bow and arrows. Whatever you say. Attention. As long as you pay. Building completed. Est-ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin de fer. Yes. On a besoin de rien du tout pour le moment. On a besoin de se sécuriser. Voilà, maintenant on a besoin de pierre. Alors. Okay. Okay. Let's do this. Et est-ce qu'on a besoin de bois pour un truc en fait? Je pense pas avoir énormément de besoin de bois en général. You are gonna pay me for this, right? My Our soldiers are in trouble. Are ready. Attention. Building completed. Oh, here we go again. Gotcha. They are trying yes. to break into the okay. building. Are there other units to bother? Roger that. Gotcha. Attention. Building completed. Our colony is succumbing to the infection. This better be good. Great. The train has arrived at the station. Forces are in danger. You again? Yeah. Gotcha. Are you sure? Any orders? Units under attack. All the way. This better be good. Great. Okay. Donc la première ville, c'est fait. Se débarrasser de une ville sur deux. Attention. Building completed. Alors ici on a toujours pas pris 5, on arrive là. 5, 7, 8, c'est pas mal hein. Autrement il y a 5. Et la 7 seulement. On a besoin de pierre. Le plus vite possible. Mais qui est présent, hein. Il avait qu'à parler dans le chat avant. Là il y a encore des chalets, il y en a 9 encore. Units under attack. A new task. Okay. Is everything okay? All right. On
trouble. Attention. Building completed. Faut t'arrêter de produire, eh ben. Là, il y a besoin de 10 de pierre et 5 de bois, alors que là, il y a besoin que du bois. Il me semble moins de bois au total, d'ailleurs. Ok, vous trois, vous venez là. They are attacking the colony defenses. Attention. Building completed. The infection is spreading across the colony. Au secours, vous. Come on. Là. The colony is under attack. They are infecting our building. Sauvegarde au meilleur moment, évidemment. J'ai hésité plusieurs fois à le supprimer, ce mur. Hein. À l'instant, il vient de me sauver la game. Oh, un gros. Mais toi, tu es supprimé parce que ça va être compliqué. Thank you.
Il en reste deux. Je crois que c'est un là et là. Il manque quoi? Il manque de la nourriture. Oh, pas ça, pas ça. Ça va pas pour très longtemps, mais... Ok. Ça va, mais maintenant, il faut prendre cette zone. Absolument. Donc, sécuriser ici, sécuriser là, là, je pense. Et de ce côté, à voir, parce qu'on n'a même pas encore assez exploré. Ici, je voulais faire ici, mais tant qu'on y est... On va aller à fond. Units under attack. On your orders. Attention. Building completed. My bow and our soldiers are ready. In trouble. Alors. Under attack. What? Okay, let's do this. Okay. Yes. Okay. Are you sure? I hope you're not wasting my time. At your service. Come on. Perfect. J'ai les écrans à maximum mes unités. L'heure tourne. Du coup, on va baisser la luminosité. Voilà. Ça piquera un peu moins les yeux, même si sur le moment, forcément, ça fait son temps d'un coup. Mais vous ne voyez même pas la différence. Voilà, maintenant toutes nos maisons sont améliorées. Voilà, c'est la fin de la carte. La diagonale pourrie. Our buildings are being attacked. Do you need me? This better be good. Great. Attention. Roger building that. Completed. Gotcha. Our soldiers are say. In trouble. As long as you pay me. Okay. They are trying to Great. Break into the buildings. Roger that. Our forces are in danger. The colony is under attack. Attention. Mais j'ai plus personne ici. Oh là là. Alors déjà, on s'est fait détruire deux fois par ici. Donc on va rajouter un peu de défense. Et quelque chose comme ça. Units under attack. This better be good. Yeah. The walls are under attack. You are gonna pay me for this, right? Our soldiers are in trouble. Oh, here we go again. You again.
in danger. Yeah, I hope you're not wasting my time. My bow and arrows are ready. Units under attack. Je pense qu'il est quand même temps d'avoir un deuxième. Une deuxième caserne. Oh, more orders. Yes. Is that all? So boring. Gotcha. Okay, attention. Let's do this. Building completed. Yeah. What? You order, you pay. Any orders? At your service. Great idea, sir. Our forces are in danger. Understood. On your order. Alors, on va avancer. Où ça? Ici, oui. On va mettre quand même une baliste ici aussi. Au cas où. Units under attack. My bow and arrows. They are attacking the colony defenses. Attaque générale. The walls are under attack. Our soldiers are in trouble. A new task. Gotcha. They are infecting our buildings. Yes. The colony is under attack. Roger that. Ça a l'air ok. Attention. Building completed. Oh, here we go again. Okay. Ça a l'air ok. Il n'y a pas des vraies hordes, mais il y a quand même des moments où le jeu nous dit en fait, est-ce que tu sais te défendre si je t'attaque là tout de suite, on vérifie. Non, par ici, c'est le bord de carte, du coup c'est forcément des murs en pierre. Pour le moment, si on va faire comme ça. My bow and arrows are ready. D'accord. What do you want now? Le truc, c'est que 17 ici. 17 là donne énormément envie et autour on aura une petite dizaine et tout. Ou alors on est moins gourmand, on prend un 13 là et un 12 ici. Et
plusieurs trucs de l'autre côté. C'est peut-être mieux. Hein. On va partir comme ça plutôt. Donc là, si jamais il y a une sorte de horde qui vient, en fait on va se murer ici. Mais on va faire ça pour pouvoir essayer d'avoir de l'énergie quand même plus loin. Et mur comme ça. As long as you pay me. Great idea, sir. You again. My bow and arrows are ready. Here we go again. Okay. Ici c'est bon potentiellement, mais par ici on peut l'avoir aussi, donc ça sera parfait, voilà. Ici. Oh sérieux. Là. Se passe à peu près bien, sauf que j'ai pas du tout le nombre de personnes, d'habitants requis pour la mission. Donc il faut pas oublier ça. On a quoi? Il faut 1500 et détruire tout le monde, et on a à peine plus de la moitié du temps passé. Ce qui me paraît plutôt correct. Hein, Maintenant on a une armée qui... devrait pas trop reculer. On est toujours en train de la peaufiner d'ailleurs. On n'a même pas pris cette zone ici. On prendra par là quand on aura l'armée proche. Ici par contre je sais pas trop comment défendre, parce qu'on a quand même envie de défendre cette pierre. Donc on va voir. Pierre, parce que on est en train de produire des maisons bien avancées et on en veut toujours plus, donc 4 aussi.
On a un 5. Je pense que ce là il est très bien. Ce qui nous donne le 5 ici. Alors que sinon on aurait eu un 3. Qui va jusqu'où le 3? Il va là. On aurait peut-être pu avoir un autre 4. C'est la même chose. Hein. C'est du même au pareil. Comme on dit pas. Non, c'était là. Alors ici, on va mettre ça là et on va non pas là parce que là ça va être l'endroit pour mettre la porte. Bois, très bien. Bah, plus de bois, ça veut dire qu'on peut plus faire ça. Ah bah si. Est-ce que ça, y a besoin de bois, y a besoin de bois. Succumbing to the infection. My bow and arrows. Our defenses are being attacked. What's up? Any infected around? Je pense que là ça sera bon. Pas d'énergie. Pas d'énergie, effectivement. The walls are under attack. Units under attack. My bow and arrows are ready. Oh, here we go again. Yes. My bow and arrows are ready. Our soldiers are in trouble. What? Gotcha. You again. Are you sure? Yeah. Attention. Building completed. Et en vrai, c'est peut-être temps de commencer à faire des soldiers. Il va nous faut de l'énergie, donc on attend. 3, 2, 1. C'est bon. Donc on en veut un là, on veut une baliste là, on en veut une autre ici. On aimerait bien aussi des pieux.
Ici on peut pas 10. 12. Prendre le 12 et le 10. Vu qu'apparemment on peut les deux. Et là on peut plus. Avec le 17, je suis pas sûr qu'on aurait pu en faire autant. Ça c'est petite défense avancée, ça c'est ceux qui sécurisent la pose de mur et ça c'est l'armée principale. Avec tout ça on a non carrément de la pierre, hein. On en a on va profiter. Mais on n'a plus de nourriture. Alors la nourriture. La nourriture, comment on va faire? On va prendre toi là. Ou alors, on en met un de chaque côté. Non, un au centre, c'est bien. Ça c'est bon. Et donc on disait qu'on veut chasse, pêche et tradition. Ici, de quel côté on met la porte? On n'a pas de pierre. Enfin, si on a de la pierre, mais il faut de la pierre et du bois, d'accord. Le truc, c'est que je verrais bien faire ça. Porte de ce côté. Units under attack. Ici on a fait plus ou moins tout ce qu'il fallait. Ok, parfait. On va donc continuer. Non, on a déjà vu une porte. On pourra en avoir une deuxième, genre là. On va dire que pas besoin. Any orders? Attention. Building completed. That will be easy. The train has arrived at the station. Waiting on orders. Building completed. Oh, more orders. Attention. Building completed. Alors, ici
bien ce que je me disais, vous, vous bossez plus, c'est pas ouf. Et on va pouvoir continuer à faire des manoirs. Et là où on en est... En vrai, je suis plutôt pour garder ce mur-là parce qu'on sait jamais. En plus, c'est pas dans les zones... J'allais mettre une maison là parce que je sais que ça bloque un peu, donc j'étais un peu hésitant. Et là, ça va laisser sortir par en haut, par l'extérieur. Non, c'est pas ça que je veux. Ici, je sais pas trop où on mûre. Je sais pas trop où on va mûrer. Un chalet, des maisons. Pas de nourriture, mince. Si c'est j'ai un 10 ici. Très bien. Non. C'est lui qui est mal placé. C'est compliqué de bien placer. Ok, ça c'est une attaque globale, très bien. Faites ça. Juste quand j'allais dire normalement il y a de la défense de partout, bah, apparemment pas ici. Alors 4, 5. Ici on peut avoir un 6. Ici on pourrait.
On peut avoir un 3 si on vient le truc. 3. Et 4, 4, 5, 6, 7. Je pense qu'on va prendre le 6 et on va être content. Hein. Ça permet de mettre une baliste ici aussi. Forcément un endroit où ça voir. Units under attack. Reporting for duty. On va voir à quoi ça ressemble. Alors ici, on peut bloquer là, mais ici, il va falloir faire ça. Alors que là, si on va là jusqu'à ce petit truc là, ça nous avantagerait un peu plus. Alors on va aller, non, nul ici. Voilà, quelque chose comme ça, ça devrait en tenir. On va pas être gourmand, on va dire tenir. Alors ici il y a l'armée principale et on va attaquer la deuxième ville parce que c'est quand même notre objectif de base. On a presque suffisamment de population pour dire qu'on a gagné la mission. Mais il faut encore détruire, enfin, tuer tous les infectés. Ça on voit bien qu'on est... On n'a pas fini. On est en cours. Épisode, mais ce qui vaut mieux, un épisode un peu gros ou trois épisodes parce que j'ai pas réussi. Au moins ça devrait
défendre, voilà. Très bien, ici. Just tell me what to do. Oh, more orders. The train has arrived at the station. Yes. Attention, building is that completed. All? So boring. Any orders? Our forces are in danger. Reporting for duty. Is everything okay? Come on. The colony is under attack. Ennemi trop proche, c'est que... ça va juste pas du tout marcher. J'ai pas d'énergie. Alors on va y réfléchir tout de suite. On va s'en occuper tout de suite, y a pas grand chose à réfléchir en général pour l'énergie. Même si j'aime bien mes petits patterns, de le coller au mur. C'est pas les patterns optimaux. Si je dois tout vous dire. On va faire ça pour le moment, ça fera déjà un peu. De me dire punaise, j'ai autant de soldats déjà que de rangers, mais c'est aussi parce que la plupart de mes rangers sont pas dans l'armée principale et que mon armée principale est plutôt fluide quant à ses membres parce que je refais des drag and drop pour les resélectionner plutôt que de donc d'utiliser les groupes de contrôle. C'est une technologie inférieure, mais c'est plus facile. Vu qu'on a la pause active. Faire comme ça. Et on n'a pas d'énergie, pas de bois, d'accord. On a 313 d'énergie. Ça devrait dire qu'on en a un peu. Est-ce qu'on en remet un là? Ça mange pas de pain. Et c'était pas ça que je voulais. C'est on a du coup. Bon, il y a quelques pertes, mais on est un peu été comme des bourrins. Do you need me? Come on.
Donc c'est pas très étonnant. Ici, voilà. Oh, des trucs d'or, une mine d'or. Trop proche de notre bâtiment. Oui, bah à la limite, la baliste, elle bouge. 5. Alors 4 et 4, ça fait 8. Ici, j'ai un beau 5. Je viens de me rappeler au début de la partie, j'ai réaperçu, j'ai vu. J'ai vu qu'on avait le. Comment ça s'appelle? Le. C'est presque les sous. Non, mais en fait, il me faut un. Le truc qui permet de gagner, de regarder toute la partie, là, ça. Observateur silencieux. Mais il me manque apparemment un entrepôt que je vais placer, je suppose. Où est-ce que je le place? Là, ça me paraît bien. Je peux même mettre un deuxième ici. Any orders? This better be good. Roger that. Yeah. Oula, il y a un petit pack ici. Un bon gros pack en fait. Units under attack. Reporting for duty. Understood. Attention. Building complete. Ça a l'air bon. Et plop le signe et les viewers. Comment vous allez? Et apparemment, ouais, c'est ici pour le raid Ardarin et Brudaf. Brudinator. Oubliez ton pseudo. Comment vous allez? C'était quoi? T'étais sur quoi déjà? T'étais. Ah oui, sur Iron Oath. J'avoue, j'ai pas regardé. Je me suis pas remis. Donc je sais pas où t'en es. J'ai pas vu la redécouverte de la 1.0. Je crois que c'est la 1.0 qui est sortie. Pas encore en tout cas. Ça m'attriste de dire que de voir que tu veux remplacer Shadow Gambit quand même. J'aime beaucoup Shadow Gambit. ...95, 119. Il n'y aura pas mieux. 83. Ouais, 83 plus 35, on va dire que c'est bien. Ouais, 119, c'est un très bon chiffre. Comment ça, 119? Ah oui, effectivement. J'avais déjà oublié que j'avais vu 119 gold.
J'ai pas mis de commentaire. Ah bah oui, mais je suis en retard aussi. Je l'ai pas mis sur le Discord non plus. Rip. J'aurais plus qu'à acheter le jeu. Mais pas sûr de prendre le temps de le faire, c'est surtout ça. Et puis là, vous arrivez sur un peu la fin de la campagne. Fin de la campagne, de la mission. En tout cas, on va dire qu'on espère. Parce que l'objectif de la vallée de la mort, les objectifs, donc on a tout le paragraphe. J'avoue, j'ai un petit peu la flemme de le relire. Mais on est dans un désert, et dans un grand désert, et il n'y a pas vraiment des hordes, mais bon, quand on fait beaucoup de bruit, ça attire quand même pas mal le monde. Et il y avait deux villes qu'on vient de finir de détruire, je crois qu'on était en train de finir la deuxième par ici, au moment où vous êtes arrivé. Les objectifs, c'était de détruire les deux villages, d'atteindre 1500 de population, et maintenant de détruire tous les infectés. Et on a 67 jours, on en est au 45e. Voilà pour l'état des lieux, voilà. On va appeler ça comme ça. Et du coup, je suis en train de quand même sécuriser, même s'il n'y a pas de horde. Le jeu est très sadique, donc on va quand même sécuriser correctement tous les accès. Et on va voir ce qui se passe. Si ça se trouve, dès que j'atteins le coin là, c'est fini. On verra. Pour Shadow Gambit, toi qui pensais que je pouvais être court, là en fait, après la mission, j'ai eu un succès, atteignez 20% du jeu. Autant dire qu'il y a encore de quoi. Ah, effectivement. Après, ça dépend. Ouais, non, mais tu joues déjà en très très difficile. Parce qu'il y a des jeux qui comptent. En fonction de la difficulté aussi. Non. Faudrait que j'apprenne les raccourcis clavier, mais j'ai énormément la flemme pour ce jeu. Allez, est-ce que c'est le dernier ? Non. Ça me fait penser. Alors après, peut-être qu'il suffit d'attendre. Il faut attendre. Je ne sais combien de jours. Pas dans un Herbie Guns. Il doit y avoir un zombie quelque part, je pense. Une fois que quasiment tout est fini. Je mets l'observateur silencieux, comme ça on verra où est le dernier zombie. C'est l'artefact le plus précis et le plus complexe jamais créé. L'observateur est installé sur la base centrale et dévoile toute la carte. Rien ne peut échapper à son œil prodigieux. Et effectivement, il y avait trois zombies ici, dans le coin. Ouais, c'est ça, une horde finale, ça peut toujours arriver, même quand ils disent qu'il n'y en a pas. Oh. Et c'est la victoire, et pour une fois, ça fait longtemps, sans... au premier try, quoi, voilà. Sans retry, au premier try. Premier essai. La résistance, le village de la terreur et la prison sont débloqués. Oui. Et du coup, on avait commencé le stream et avant la mission, j'avais remarqué qu'on était pile à 50% du jeu. Tant qu'à parler de pourcentage. Et là, on en est à 52%. Donc il en reste
Tout autant. Alors que niveau taille de la carte, pas trop. Je crois que les hordes ça compte. Et je sais qu'il me semble qu'au début il n'y en avait pas. Dans pas mal de temps. Donc soit tous les prochains liens ont des hordes pour. Je prends une pause, ça marche. De toute façon, moi je pense que je vais aussi arrêter. Hein, parce que 2h16 pour faire une mission. Et il est déjà 18h30. Je vais peut-être pas en relancer une autre. On va finir à 20h et quelques et je vais pas manger. Et je vais me faire taper sur les doigts aussi. Mais bref. La prochaine fois, on fera très certainement la prison. J'aime me débarrasser des missions de héros tant qu'on peut. Ça permet de booster son... De se booster pour les hordes. Et après, ça sera sûrement le village de la terreur. Parce qu'il n'y a pas de horde. Et après... On visera sûrement le centre médical Gamma. Voilà pour ce qu'on fera bientôt. Et dans quoi est-ce qu'on peut réfléchir de mettre des sous? La machinerie avancée. Ah oui, l'énergie thermique, je me demandais pourquoi j'en avais pas, mais c'est parce que j'ai plus la technologie. Donc c'est normal. Donc on peut faire ça. Je sais pas si c'est très intéressant parce qu'on a rien d'autre. Sinon, avant-poste, le centre des opérations pour le déploiement de l'armée et des défenses pour attaquer les hordes infectées sur le terrain. Ouais. Mon empire, c'est que ça doit être un truc pour les hordes, ça. Ça, ça doit être pour les hordes et du coup, ça a l'air bien. Très bien, 119 minutes, team 119 minutes. Je me redresse. J'aime pas spécialement les guêpes. Quoique j'en ai pas beaucoup testé. Du coup, mais j'aime pas le principe, on va dire. Pour autant, les dégâts d'attaque des soldats, ça peut être intéressant. Et l'avant-poste me paraît tentant parce que les hordes, j'ai souvent beaucoup de mal. Donc un centre blindé, ça peut être bien. Sinon, c'est avancé, mais ça sert à rien, entre guillemets, parce que on va pouvoir avoir la fonderie et rien d'autre. Par contre, ça va débloquer l'amélioration de tous les bâtiments producteurs, et ça, c'est intéressant. Les guêpes, j'adore, elles se font peu cibler. Par contre, le dégât est moindre que celui des grosses tours. Elles se font moins cibler. Oui, effectivement, c'est ce qui est noté, mais... Je sais pas, faudra peut-être que je les prenne. Si je prends pas ça, est-ce que... J'ai pas les sous. Ça peut être bien, mais... Je crois que l'énergie thermique, c'était bien aussi. Les explosifs, je les veux pas, donc peut-être plus les matériaux isolants. Et la climatisation, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, c'est une merveille, donc c'est hyper cher. Mais je crois que ça, si je comprends bien, ça va faire qu'une zone, on va pouvoir mettre des fermes alors qu'avant on pouvait pas. Ce qui aurait été très bien dans le désert, par exemple. je pense qu'on peut partir comme ça ou comme ça. Et essayer de viser tout ça. Et je pense qu'on va éviter de prendre la centrale d'énergie. Mais on va prendre les matériaux isolants quand on va pouvoir. Parce que c'est les maisons dans lesquelles on utilise le plus l'énergie. Et du coup, si on peut réduire la consommation d'énergie,
ça sera bien. Pas besoin d'augmenter ou autant réduire. Monument, auberge. Ah, pourquoi c'est marqué monument? C'est l'auberge du coup. Ouais, l'auberge, j'ai un peu de mal aussi avec les... Pour le moment. Nanomatériaux, haute technologie. Ouais, je pense que ça sert à rien de trop rush ce niveau-là. On va partir là-dessus. Et de toute façon, si on fail, eh ben on s'autorisera toujours à changer comme d'habitude. Oui. Mais en tout cas, ça va être tout pour la vidéo. Elle a été deux fois plus longue, plus de deux fois plus longue que d'habitude, mais au moins, on a gagné. Ça, c'est l'essentiel. Donc j'espère que ça vous aura plu en VOD, même si... moi, j'aime beaucoup, mais c'est un peu compliqué de parler, de dire ce qu'on fait dans ce jeu. Parce qu'il y a beaucoup de choses déjà à penser, et voilà. Allez, à plus !